Aujourd'hui, je découvre pour vous un super beau spot de paddleboard. Suivez-moi! Je viens tout juste de revenir de ma belle excursion, ma belle journée de paddleboard au parc des Hirondelles à Salaberry de Valleyfield, donc sur la Montérégie, sur la rive sud de Montréal. Donc de chez moi, c'est 1 heure de route, mais ça en vaut la peine. Pour une journée, c'est pas assez. Alors vraiment, c'est un très très beau spot. Par contre, moi, j'ai pu me stationner directement en avant du parc des Hirondelles, mais à partir du 16 Ça va juin, plus. possible de pouvoir se parquer là, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'abus, ça a de l'air, les résidents se sont plaints. Alors, il y a d'autres débarques qu'on peut embarquer notre paddleboard et se rendre là par l'eau. Ou sinon, vous pouvez dans les rues, dans certaines rues avoisinantes, vous parquer à ce moment-là. Donc, juste vérifier bien les indications pour pas avoir un ticket non plus. Mais moi, j'ai pu me stationner là à ce moment-là. Je crois que c'est pour toute la durée de l'été. Donc, c'est à partir du 16 juin jusqu'à l'été, peut-être septembre, j'imagine. Mais sinon, c'est vraiment un très beau spot. Vous pouvez embarquer, c'est dans un parc, il y a un parc d'enfants, et on traverse le parc et on s'en va mettre notre embarcation à l'eau. Bateau. C'est plus paddleboard ou kayak. Bateau, il n'y a pas de mise à Okay. l'eau. Alors, vous ne pourrez pas mettre votre bateau à l'eau là. Mais sinon, c'est vraiment une super belle place. L'eau est transparente. On voit le fond de l'eau. On voit les belles roches. Donc, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Par contre, on m'a dit que à certains, peut-être en fin de saison, si vous vous baignez, ben vous pouvez peut-être finir avec un peu d'huile sur le corps parce que c'est le fleuve Saint-Laurent, évidemment. Nous, en début de saison, l'eau était très, 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 très belle. Alors, il n'y avait pas de stress et j'avais un wetsuit. Donc, encore là, ben je me suis pas plus baignée, il faisait trop froid. Mais c'était vraiment merveilleux. La vue était Et incroyable. si vous y allez en fin d'après-midi, vous prenez une photo, il y a comme une petite île au milieu de l'eau. Donc, on a l'impression vraiment pratiquement d'être dans le sud, surtout en fin de saison. Les arbres ont mûri et tout. Donc, c'est vraiment merveilleux. C'est sublime Alors, si vous voulez même. faire une petite sortie sur le fleuve Saint-Laurent, je vous conseille fortement le parc des Hirondelles à Salaberry de Valleyfield et vous allez pouvoir voir des super belles photos. Alors, je vous encourage fortement à Sur y ce, aller. On se revoit la semaine prochaine avec une autre capsule. Bye bye!